Troisième vidéo, donc troisième déballage de paquets. Donc ici on a des loupiottes, ça c'est un piège aimanté qui se met sur les murs aimantés. On a des piliers avec des énigmes qui bougent. On a des murs, tout plein de murs, des angles, des arches. Ici tout plein de murs, d'arches. Des autocollants, puisqu'en fait il faut coller les dalles sur ces dalles là. Donc il y a tout ça de dalles en fait. Voilà, donc c'est des dalles pour faire des énigmes, etc. Ici, des continuations de tout ce qui est mur, une très très grande dalle de sol, des arches, encore des murs avec des loupiottes, tout ce qui sert ici pour faire des escaliers, des piliers, des gargouilles, enfin des ornementations de murs, encore des murs, des murs et des murs, et ici, ben, un petit peu de tout avec une double entrée. Voilà, donc j'ai enfin découvert à quoi servait ceci. Donc en fait tout simplement déboîter derrière les petits trucs, les petites dalles. Par contre, encore mauvaise surprise, sur ce set là il manque deux passages de côté. Voilà, donc deux passages de côté manquants. Donc voilà, c'était la troisième partie du Dungeon of Doom. Allez, encore une vidéo, je vais vous montrer.